Comment réunir en France sur le sujet de l'immigration? Sujet éminemment tendu, notamment en perspective de la loi immigration votée très récemment à l'Assemblée nationale. Ce débat a été fait avec Camille Abderrahman. Je m'appelle Camille Abderrahman, je suis journaliste. J'anime une émission qui s'appelle Salade Tomate Oignon, qui est diffusée actuellement sur Le Média. Je suis un journaliste, mais qui est aussi très engagé. Donc je suis un militant antiraciste de la première heure. Ce que j'attends de ce débat, c'est apporter une réelle contradiction à tous ces discours. Le problème des gens comme Pierre Gentillet, c'est qu'ils sont sur des chaînes mainstream qui vont dans leur sens. Et Pierre Gentillet? Je m'appelle Pierre Gentillet, je suis avocat au barreau de Paris et je chronique aussi accessoirement toutes les semaines sur un certain nombre de médias, dont CNews, Sud Radio. En fait, ce que j'attends de ce débat, je vais surtout le voir après, c'est ce que les gens en ont pensé. Je pense que je regarderai bien les commentaires pour voir un petit peu sur quel point on a pu convaincre et sur quel point ça bloque en fait. Il y a vraiment des gens qui se voilent la face sur l'état de notre pays. Je vous rappelle que Le Crayon, c'est aussi une newsletter qui chaque semaine vous récapitule le débat de la semaine, qui vous permettra de comprendre l'enjeu, les tenants et aboutissants et aussi les conséquences de ce débat dans l'espace public. Le lien est en description, je compte sur vous pour aller regarder ça. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like pour nous soutenir et à mettre un commentaire si vous avez un avis à donner. C'est la meilleure manière de faire montrer notre travail à tout le monde. Bonne vidéo. Les médias attisent la haine. Faux. Totalement vrai. On peut encore tout dire. Faux. Vrai, malheureusement. Il y aura un avant et après 7 octobre. Oui. Non. En France, on constate un ensauvagement de la société. Oui. Non. CNews est une mauvaise chaîne de télévision. Faux. Extrêmement mauvaise. La diversité est une richesse. Ça dépend quelle diversité. Oui, vrai. La politique migratoire française est un échec. Oui. Faux. Le décès de Thomas est instrumentalisé par l'extrême droite. Faux. Vrai. Alors, oui. Le décès de Naël est instrumentalisé par l'extrême gauche. Vrai. Ça peut être vrai, oui. Chacun doit faire la justice de son côté. Faux. Ouais, faux. Les partis politiques en France n'ont plus aucun sens. Faux. Vrai. La nouvelle loi immigration est trop radicale. Faux. Au contraire. Vrai. La sécurité doit être une priorité. Vrai. Vrai. Les religions prennent trop de place dans le débat public. Vrai. Vrai. La violence alimente la violence. Vrai, et alors? Vrai. Il faut sortir du modèle capitaliste. Faux. Faux. Les débats manquent d'humanité. Parfois. Vrai. La police agit quand ça l'arrange. Faux. Faux. Il y a deux peuples et deux France. Il y a deux peuples mais une seule France. Faux. La créolisation est une bonne chose. Faux. Vrai. Les fichiers S sont inutiles. Faux. Faux. La société française est islamophobe. Faux. Vrai. La fracture est trop grande pour se résorber. Joker. Faux. On ne se comprend plus. Vrai. Vrai. Ça va, alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Ouais. Frérot, c'est vrai qu'on t'avait pas trop prévenu. Ça fait longtemps que t'as quitté le pays, mais en fait, il y a certains mots qu'on peut pas utiliser. Tout ce qui fait un peu référence à la religion. Là, par exemple, tu viens de dire, t'as capté, j'ai pas envie de tout dire parce qu'on n'a pas le droit. Essaye de faire un peu attention pour la suite de l'interview. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Il y a des mots qu'on peut dire, des mots qu'on peut pas dire, c'est ça? Ça passe pas, mais salami, ouais. T'as pas changé, mon gars. T'es en train de jouer avec le feu. Bon, viens, on se concentre sur le vrai sujet, tu vois. Qui est ton film, mon frérot? Mais je pense que le vrai sujet, là, c'est ce qu'on se dit là. On est en France. On est censé être le pays des droits de l'homme. Et que là, tu me dises que. J'ai pas le droit de dire certains mots. Y a pas un problème là. Moi j'ai quitté le pays en 2027, à la naissance de mon premier fils. Là je vois c'est de pire en pire. Peut-on encore s'entendre en France avant d'arriver à une telle situation? Déjà, il faut définir qu'est-ce que c'est le on. Et est-ce qu'on s'accorde sur le on? Moi voyez-vous, je pense qu'en France, on ne s'accorde plus et plus le temps va avancer. Et on aura l'occasion, je pense, d'en débattre pour des questions migratoires mais aussi pour des questions de lâcheté politique. Le « on », de toute manière, va s'éloigner de plus en plus. Et c'est ça, à mon avis, le véritable danger, c'est qu'on a une fragmentation de la société française, une fragmentation du territoire français, et cette fragmentation dissout, dilue l'unité de départ. L'unité de départ, alors, l'unité de départ qui s'est construite, hein, la France, elle est pas née il y a 50 ans, hein, c'est un très très long processus qui a pris au moins 1500 ans, si on prend les différents peuples qui ont composé le territoire, hein, les Basques, les Normands, les Bretons, plus loin les Savoyards, les Corses, etc. Si vous voulez, il y avait quand même une unité. En fait, ce qu'on voit, c'est que depuis un changement de politique migratoire des années 60-70, surtout dans les années 80,
ce qu'on appelle le « on », en réalité, tout le monde le voit et le voit de plus en plus, n'existe quasiment plus, en fait. C'est ça, le grand changement. C'est qu'en fait, le « on », vous voyez, moi, je ne peux plus aujourd'hui vraiment le définir. Ou alors, et c'est souvent ce qu'avancent, j'allais dire, nos adversaires, enfin, en tout cas, moi, mes contradicteurs, c'est que le « on », c'est-à-dire la France, c'est ça ce que ça pose comme question, la France, le peuple français, c'est pas quelque chose de concret, ce serait une espèce d'abstraction qui tiendrait sur les droits de l'homme. Dans la vidéo que vous avez montrée, donc si j'ai compris, vidéo futuriste, à un moment, un des protagonistes dit « la France, c'est le pays des droits de l'homme ». Vous voyez, ça c'est une des... Je ne vais pas lancer le débat là, mais s'il y a des gens qui pensent que ça c'est le facteur d'identité de la France, je pense que ces gens passent à côté, mais vraiment à côté de ce qu'est la France. Ça, c'est un élément... dans la Constitution, c'est... Oui, mais la Constitution, c'est un élément juridique de 1958, reçu c'est 1789, la France a 1500 ans d'histoire. C'est un élément juridique, un élément important, je ne le nie pas, mais c'est pas ça, un peuple. C'est pas une abstraction, c'est pas les droits de l'homme. D'ailleurs, les droits de l'homme, il y a une vocation universelle. La France, elle a une singularité, le peuple français, c'est une singularité dans l'histoire. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, le peuple français, on voit qu'il se... Il se fragmente de plus en plus, et il oublie d'ailleurs pour une bonne partie de d'où il vient, ce qu'il est. Et en plus de ça, je le dis, il y a la question migratoire qui est très importante. Donc vous êtes un révolutionnaire alors. Vous voulez changer la Constitution au final. Vous êtes bien plus extrémiste que moi. Bah, vous savez, je ne vous ai pas encore défini, mais on n'est pas obligé d'être extrémiste pour changer une Constitution. Le général de Gaulle était un révolutionnaire à ce moment-là. Je veux bien être révolutionnaire comme général de Gaulle en 1958. Mmh. Il était extrémiste. Bah non, mais je ne comprends pas comment même vous pouvez reprendre le général de Gaulle qui a participé justement à la création de cette République tout en niant le fondement droit de l'hommiste de cette République. C'est là où toujours, en fait, vous êtes en désaccord avec ce que vous prenez. C'est pas ça, c'est que ça ne s'arrête pas à ça. Excusez-moi de vous interrompre. Ça ne s'arrête pas à ça, mais c'est quand même très important. Non, mais attendez, c'est, encore une fois, c'est une partie de l'identité de la France, mais... une partie de l'identité d'un camp politique en France qui est la gauche. Je ne nie pas la France, c'est elle qui a inventé les droits de l'homme. Non, ce que je vous dis simplement, c'est qu'on ne peut pas dire qu'est-ce que c'est être français. Être français, c'est aimer les droits de l'homme et s'être attaché aux droits de l'homme. Non, ce n'est pas ça la France, ça, c'est une abstraction. Si tout le monde aimait les droits de l'homme, crois-moi que le peuple vivrait assez bien ensemble. Oui, mais ça, c'est ce que je mettais dans mes dissertations quand j'étais en première, en terminale. Quand on arrive sur des éléments concrets, oui, mais c'est utopiste. Mais le problème, c'est que le peuple français, ce n'est pas une utopie, en fait. Oui, mais le peuple français aussi, il est complexe. C'est-à-dire que vous et moi, on arrive à discuter autour d'une table, il y en a qui n'y arrivent pas, qui vont utiliser des moyens différents pour discuter, malheureusement. C'est pour ça que je dis que le « on » peut se dissoudre. C'est la complexité de l'être humain qui fait que la France ne fait pas union demain. Si vous évacuez tous les immigrés dont vous faites très souvent le lien avec la délinquance, il restera de la délinquance en France. Ouais. Ça, c'est sûr. Oui, il restera de la délinquance. Donc, je pense qu'on peut se parler. Je ne sais plus exactement c'était quoi la question. On peut continuer à se parler avant que tout soit... totalement fracturé, si on parle la même langue. Si vous utilisez une langue ou vous utilisez un vocabulaire qui est raciste, qui va, moi, me heurter, c'est sûr que là, on ne peut pas se parler. Alors, on pourra échanger, échanger nos idées, combattre mutuellement à travers nos idéologies. Par contre, c'est sûr qu'on ne fera pas corps dans une même pièce, c'est-à-dire qu'on ne deviendra peut-être pas amis, mais on pourra quand même vivre ensemble. La France, elle est aussi belle dans sa diversité, mais pas que sa diversité de couleurs dans le peuple, elle est belle aussi dans sa diversité, dans l'idéologie. C'est pour ça que la Constitution, elle est importante et que les lois sont importantes, parce qu'à partir du moment où on respecte la loi, chacun fait un peu ce qu'il a envie. Le problème, excusez-moi, c'est qu'en fait... la loi, ce n'est pas un facteur d'identité culturelle. La loi, c'est quelque chose que chacun doit respecter. Mais là, on n'a pas parlé d'identité culturelle. J'y suis pas encore. On y viendra. Vas-y. Je réponds juste sur ce que vous soulevez, qui est un élément qui me paraît important. Déjà, une première remarque. Sur le vivre ensemble, je pense qu'aujourd'hui, enfin, encore une fois, tous ces slogans, parce que je sais que ce n'est pas votre position, hein, je vous crois sincère. Mais je pense que le vivre ensemble aujourd'hui, c'est beaucoup plus un slogan, c'est beaucoup plus aujourd'hui. La réalité du vivre ensemble, c'est plutôt le vivre à côté. C'est-à-dire que les gens se séparent, vivent côte à côte. Vous voyez, je vous donne un exemple parmi des milliers d'autres. Moi, quand il m'arrive de débattre face à des gens de gauche, qui sont d'ailleurs souvent... on met souvent des bien-pensants en face de moi. Bon, voilà. Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'il y a quand même des réalités. Je vous en donne une. En Seine-Saint-Denis, le prix au mètre carré, c'est 4 000 euros.
Paris, c'est 10 000 euros et ça monte 12, 13 000 euros. Comment, si tout n'était qu'affaire d'économie, de loi, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de gens qui vont vivre en Seine-Saint-Denis ? Voyez ? Parce qu'en fait, on ne vit plus comme nous vivions avant, il y a 60, 70 ans, parce qu'il y a aussi des problématiques d'insécurité. Et en fait, ça, entre autres, je pense que ça permet de justifier que le vivre ensemble en tant que tel, c'est un slogan, c'est vraiment le vivre côte à côte. Enfin, dernière chose, et après je vous laisse répondre. Sur la loi, le fait de respecter les lois, et même on peut aller plus loin, de payer des impôts, vous voyez, on entendait souvent ça, si vous êtes français, vous avez le droit de vote parce qu'ils payent des impôts et parce qu'ils respectent les lois. Mais ça, si vous voulez, en fait, c'est la base de la base. Et qu'est-ce qui distinguerait à ce moment-là un Français d'un Espagnol ou un Français d'un Allemand ou un Français d'un Marocain, d'un Tunisien? Chacun, dans chaque pays, respecte la loi. C'est pas ça le propre. Le propre de l'identité française, bah, c'est d'appartenir au peuple français, de parler la langue. Vous parlez de langue tout à l'heure. Il y a plein d'endroits en France où on ne parle pas dans les foyers le français. C'est admettre l'identité culturelle française, entre autres catholique, et celui qui vous parle n'est pas catholique, il l'est culturellement, c'est tout. C'est admettre un certain nombre de faits historiques, de coutumes aussi, et qui aujourd'hui sont, au gré des événements, au gré, je le pense aussi, des flux migratoires, sont remis en cause. Voilà. C'est pas qu'une abstraction, la France. Moi, je pense que l'exemple sur la Seine-Saint-Denis est totalement caduque. Je vous mets au défi d'aller trouver un appartement à la Plaine Saint-Denis ou à Stade de France, vous allez voir que vous allez bien plus galérer que vous le pensez. 4 000 euros le mètre carré. Bah, 4 000 euros le mètre carré, mais si vous regardez les loyers, moi j'ai habité en Seine-Saint-Denis, donc je peux vous dire que c'est bien plus cher que vous le croyez. Et pourquoi est-ce que les gens préfèrent vivre dans le centre de Paris, oui, pourquoi ? Préfèrent avoir des adresses sur les Champs plutôt qu'en Seine-Saint-Denis parce que c'est plus bourgeois et que, comme toute personne, moi j'ai grandi dans un quartier, la première chose que j'avais envie de faire, et c'est pas parce que je regrette l'ambiance de mon quartier, j'adorais l'ambiance de mon quartier, c'est parce qu'on vit dans un monde qui a un modèle capitaliste dans lequel on veut réussir, on veut même montrer sa réussite. Donc je me suis barré, j'ai habité à Châtelet, j'ai roulé dans des grosses voitures et j'ai passé cette période-là de vouloir me prouver à moi que j'ai enfin réussi, que je me suis émancipé. Parce que moi je vivais pas dans un taudis, hein, comme on mangeait de la viande, on vivait très très bien. Mais c'est vrai que l'entre-soi, le fait que le système organise le fait que des gens des mêmes communautés vivent dans ces blocs HLM, etc., ça nous donne envie de voir autre chose. C'est très important ce que vous dites. Quand vous dites, en gros, ce que vous me dites si je me trompe, ce que vous expliquez là, c'est qu'en fait, vous admettez qu'il y a des communautés qui vivent entre elles et qui vivent séparées. Déjà, qui vivent entre elles parce qu'on leur oblige de vivre entre elles. Mais non, il n'y a aucune obligation. Mais bien sûr c'est qu'il y a des gens qui étaient là en Seine-Saint-Denis, des Européens, et qui sont partis parce qu'ils n'arrivaient plus à vivre comme ils vivaient auparavant. Mais si, c'est comme ça que c'est passé. La Seine-Saint-Denis dans les 70, il y a un très bon reportage de l'INA qui le montre. Quand il y avait encore une majorité d'Européens là-bas, ou de Français d'origine européenne, comme on dit dans les statistiques, et qui sont partis. Et s'ils partaient, ces gens-là, s'ils sont partis, c'est parce qu'ils, un, ils ne vivent plus comme ils vivaient avant, comme leurs ancêtres vivaient avant, et deuxièmement, pardonnez-moi, parce que sur le plan de la sécurité, ça devient insupportable. Vous connaissez tellement pas votre sujet que vous êtes obligé d'aller chercher des documentaires de l'INA des années 70. Dans les années 70, ces documentaires-là, ils sont ultra beaux, ils font plaisir à tout le monde. Pourquoi ? Parce que ces bâtiments-là étaient neufs, et qu'à l'époque, on ne voulait pas faire de ces logements-là. Enfin, ces logements-là étaient vus comme une émancipation sociale. Mmh. Aujourd'hui, ils sont totalement à l'abandon. Comment est-ce que, si on veut créer une cohésion sociale, une mixité sociale, si on veut créer un vivre ensemble, c'est très simple. Plutôt que de faire ces politiques de quartier qui coûtent des millions et des milliards d'euros, rachetons, que l'État rachète des appartements dans les beaux bâtiments du 8e ou du 16 et du 17, là, vous allez voir si ces familles-là ne seront pas contentes de venir habiter dans le 8e. Ce ne sont pas des gens qui décident de vivre entre elles dans des communautés. C'est l'État qui fait que ces gens-là, quand ils demandent un logement social, ils sont directement dirigés. Mais en fait, c'est pas facile. Si, c'est factuel. C'est-à-dire que dans mon entourage, des gens qui demandent des logements sociaux, ils sont très rarement
on leur donne très rarement des logements sociaux qui sont dans le marais. Si on regarde la répartition dans les logements sociaux, qui est quelque chose normalement qui devrait représenter, je crois, 10 ou 20, une dizaine de pourcents dans chaque ville, la mairie de Neuilly préfère payer des amendes chaque année, comme la mairie de Levallois. À Paris, c'est bien au-dessus. En disant qu'on ne peut pas construire, alors qu'en fait, on a des bâtiments industriels ou de médias qui poussent, et on les voit, parce que j'ai aussi habité justement au pont de Levallois, donc j'avais la vision des deux côtés. Et quand on dit qu'il faut créer ces logements sociaux-là, non, les mairies préfèrent payer des millions d'euros chaque année plutôt que de faire venir ces gens-là. Et pourquoi issus de ces gens-là de quartiers populaires dans ce genre d'agglomération-là, tout simplement parce qu'ils savent très bien qu'en faisant venir ces gens-là, le capitalisme va être heurté. Ça va faire forcément chuter le prix de l'immobilier, oui. Des gens qui ont l'habitude de lire des livres. Ah oui, pourquoi ? Parce que moi, j'ai habité dans le 16e, c'était choquant. Hein. Dès qu'il n'y a personne qui avait de télé dans le bâtiment, dès que je mettais la télé, il y avait le voisin d'en dessous qui venait. Il a pété les plombs, le mec. En fait, ils veulent un calme, une certaine bourgeoisie, une certaine atmosphère. Mais non, c'est pas une bourgeoisie. De vivre ensemble, mais c'est accepter les autres. Stop. Ce n'est pas, c'est pas une devenir question de bourgeoisie. Comme je vais vous dire comme, une chose. Attendez, vous avez beaucoup parlé, décidé. Je vais vous répondre. Vous avez utilisé le terme de bourgeoisie. En fait, ce que vous dites, c'est en fait les gens veulent vivre là parce que c'est un mode de vie qui est plus bourgeois. Et en fait, ce mode de vie, il est plus calme, il est plus agréable. Vous avez raison, factuellement. Mais attendez, moi, vous me dites que vous avez grandi, vous avez connu ces banlieues, etc. Voyez-vous, je viens de la ruralité, un endroit qui, des endroits qui sont assez abandonnés où on n'injecte pas autant d'argent. Je viens pour vous dire entre Argenton-sur-Creuse et Tours, en gros, dans la région centre. Voilà. Okay. Ce qu'on appelle parfois la diagonale du vide de manière assez méprisante. Dans ces endroits-là, si vous voulez, il y a une pauvreté dont on ne parle pas, mais il n'y a pas les tensions, il n'y a pas les difficultés, comme on dit pudiquement, qu'on peut retrouver en banlieue, qu'on peut retrouver dans des zones périurbaines. Et les gens, même si ils sont, je vous prie de le croire, beaucoup moins riches que la moyenne, les gens vivent authentiquement ensemble. Parce qu'il y a un sentiment, il y a un sentiment d'appartenance. Il n'y a pas de drogue dans les campagnes, il n'y a pas de gens qui se mettent des coups de couteau, il n'y a pas de féminicide. Incomparable au regard du 93, au regard des quartiers nord de Marseille. Sur quel chiffre vous posez? C'est assez simple. Si vous prenez le département du Cantal, par exemple, département rural que je connais bien, ou vous prenez l'Indre et que vous le comparez à Marseille ou que vous comparez à la Seine-Saint-Denis, vous prenez le taux d'homicide par habitant, il est... C'est de l'ordre de 10, 15, 20 fois plus faible. Oui, mais parce que le taux d'densité n'est pas du tout le même. J'ai dit par habitant, non, mais bien sûr que oui. On va trouver des délinquances qui sont différentes, mais on va retrouver de la délinquance. Après, bien sûr que dans ces grandes villes-là, il y a une délinquance qui est plus haute et qui... Mais parce que... Pourtant, ils sont pauvres en campagne. C'est ça qu'en fait que j'admets pas dans votre argument. C'est-à-dire que vous avez une lecture presque marxiste, en fait, une lecture de gauche en disant que c'est parce que ces gens sont dans une condition sociale qui est une condition sociale qui est défavorable. C'est pour ça que les choses se passent mal. Je dis pas que les choses se passent bien, mais regardez, je vous citais les exemples de la ruralité où ces gens vivent dans des... là où on trouve les revenus les plus faibles par habitant, c'est dans les départements que je vous ai cités. C'est dans la Lozère, c'est dans la Creuse, c'est dans le Cantal. C'est ça, les départements les plus pauvres de France. Non, les départements les plus pauvres de France, c'est ceux-là. C'est ceux-là, les départements les plus pauvres. Vous pouvez les regarder, moi je les connais. Ce sont les départements les plus pauvres. J'ai juste une question pour toi, Camille, du coup, dans ce sens-là. Il n'y a pas du tout de sujet de lier la délinquance à la difficulté d'intégration de certaines personnes? Non, mais... délinquance à l'intégration ou délinquance à l'immigration? Parce que si c'est ça, on peut le dire et on peut y aller. Si on parle du lien qui est fait actuellement entre la délinquance et l'immigration, alors bien sûr que y a des chiffres qui ont été sortis, qui ont été repris même par le président de la République. Encore une fois, c'est des chiffres qui sont extrêmement instrumentalisés parce qu'on parle de faits de délinquance et on ne parle pas de délinquance, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui sont condamnés, c'est des gens qui sont mise en cause dans une délinquance. Vous pensez que ça change beaucoup dans les proportions? Oui, parce qu'au final, dans les condamnés, il y a 16% d'étrangers et il y a 84% de Français. Donc, quand tu présentes... Il y a combien d'étrangers en France selon l'INSEE? 8 à 10%, ça veut dire qu'ils seraient deux fois plus élevés. Je termine. Oui, en même temps, c'est beaucoup plus facile de condamner une personne qui n'a pas de papier et qui, pour travailler, va être forcément hors la loi, qui, s'il veut conduire pareil, pour n'importe quel délit routier, pareil, il va être condamné. Et il y a aussi le fait que les gens perçus comme noirs et arabes soient 20 fois plus condamnés que les gens qui sont perçus comme blancs. Donc, si les policiers passent leur vie
à contrôler ces personnes-là qui sont issues de l'immigration, c'est pourquoi normal qu'on se retrouve avec beaucoup plus de personnes issues de l'immigration. Pourquoi est-ce qu'ils le feraient, les policiers? Et pourquoi est-ce qu'ils le feraient, les policiers? Parce que les policiers seraient racistes. Parce que c'est les policiers normal seraient qu'on racistes. Se retrouve avec beaucoup plus ça de personnes. Ça ne tient pas à votre argument. Non, mais c'est normal. Mais c'est Jacques Toubon, c'est le défenseur des droits oui. qui a fait cette étude. Et sur je te quelle statistique que, il n'y a pas de statistique ethnique et raciale en France. Non, mais bah, si, il y a cette étude-là qui a été faite. Il n'y a pas de statistique raciale, ça n'existe pas. Le défenseur des droits l'a prouvé. Oui, oui. La France, elle a été condamnée pour contrôle au faciès plusieurs fois. Oui. Donc, ce n'est pas quelque chose que... En fait, si vous voulez, vous pouvez le nier tant que vous ne le vivez pas. Si vous aviez été dans la peau d'une personne de couleur et si vous aviez grandi en banlieue, vous vous rendriez compte qu'en fait, ce sont des policiers qui vous contrôlent et qui vous connaissent. Donc, il y a forcément, une démarche, pourquoi est-ce qu'ils font ça, les policiers ? Malsaine. Mais pourquoi ils le font ? Pourquoi ils le font ? Bah, admettons, admettons votre argument. Ah, non, c'est parce qu'ils font mal. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce que, comme vous, ils sont pas attachés aux droits de l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas attachés aux droits de l'homme. Parce qu'il y a quelque chose d'intrinsèque dans la police qui fait ça. Et qu'ils pensent que, en contrôlant des Noirs et des Arabes, eh ben, ils vont trouver du shit sur eux. Et même quand ils le trouvent pas. Vous supposez que la majorité des policiers sont blancs, du coup. Vous supposez que la majorité des policiers seraient pas Noirs et Arabes. Rentrer dans un système. Mais non, parce que là, en fait, vous avez, sans savoir, vous adoptez une lecture raciste. Non, pas du tout. Mais attends, mais pas du tout. Pourquoi? Parce que quand je dis ça, est-ce qu'à un moment, je dis que dans les communautés maghrébines ou dans les communautés issues de l'immigration, il n'y a pas de racisme? Il y a bien sûr qu'il y a un racisme. Parfois, il y a même plus de racisme dans ces communautés-là entre elles que ailleurs. Donc, un policier qui rentre dans un système, dans le système policier, il ne va pas rentrer avec son idéologie marxiste ou anticoloniale, parce que crois-moi qu'il sera très rapidement mis au banc et écarté. Le policier qui est noir et arabe, tout comme la personne tout comme les personnes qui vont légitimer le racisme de CNews ou d'autres chaînes de télé qui sont issues de l'immigration. Exemple. Comme, là, vous dites quelque chose. Exemple. Amine, donnez un exemple. Vous pouvez pas balancer ça comme ça. Non, mais attendez, on n'a jamais vu autant de racisés d'extrême droite sur ces chaînes-là. Ça veut dire que toutes les semaines, il y a une nouvelle personne qu'ils pondent. Je sais même pas comment ils font pour aller les chercher. Le problème avec vous, déjà, c'est que vous parlez beaucoup et qu'on n'a pas le temps de vous répondre. Et deuxièmement, c'est que vous qualifiez assez facilement d'extrême droite, mais ça c'est une rhétorique assez classique, des gens qui ne partagent pas vos opinions. Et le terme extrême droite, en fait j'ai envie de vous dire, moi il y a 20 ans vous m'auriez dit, enfin vous ne l'avez pas dit à moi, mais peu importe, vous pouvez le dire, il y a 20 ans vous auriez dit extrême droite, ça aurait fait peur. Aujourd'hui, en fait, comme la société française a tellement changé, comme les études d'opinion montrent clairement un basculement, vous savez, bon, vous pouvez taper sur Bolloré et d'autres, mais ensuite, il y a un fond quand même. Si vous voulez, ça prend quand même. Ça vient pas nulle part. Si CNews, vous évoquez CNews, mais vous pouvez évoquer plein d'autres médias et vous pouvez invoquer aussi les réseaux sociaux. S'il y a une partie de la France à qui ces médias parlent, c'est aussi parce qu'il y a des raisons de fond. Mm-hmm. Vous pensez que ce sont les médias qui font l'opinion, qui manipulent l'opinion. Les médias ont un rôle sur l'opinion. Si Hitler était à la télé, il y aurait plein de gens qui regarderaient Hitler, ça ne légitimerait pas son discours. Vous êtes dans un point Godwin. Vous êtes dans un point Godwin. Ça ne légitime pas. Restons sur ce que je disais sur l'extrême droite. C'est pas parce qu'il y a plein de gens qui aiment voir des discours racistes que ça légitime cette forme de discours. Mais il n'y a pas de discours. En fait, contrairement à ce que vous pensez, il n'y a pas de discours raciste. Laissez-moi juste recadrer là-dessus. Je suis très content que vous fassiez la transition sur les médias parce que je voulais la faire un tout petit peu plus tard, mais elle est toute trouvée. Selon vous, Pia, il n'y a pas de médias racistes aujourd'hui en France? Vous savez, le racisme, c'est un délit. S'il y avait un média raciste, logiquement, il serait censuré par le CSA et immédiatement interdit. Interdit. Voilà. J'aimerais bien qu'on me dise pourquoi une aussi grosse partie de la population... Qu'on me démontre quel média est raciste. Enfin, pourquoi autant de gens le pensent? Pourquoi autant de gens le pensent? Et puis c'est plutôt à Camille. Il faut répondre. Pourquoi autant de gens le pensent? Parce que les gens ont le droit de se tromper. Camille le pense. Les gens, mais parce que, il va s'exprimer, il va le dire. Mais je pense qu'il se trompe, parce qu'il y a des gens qui se trompent. Encore une fois, mais le problème, en fait, c'est que ce mot racisme, raciste, est un mot qui veut tellement dire des choses différentes, c'est-à-dire que le racisme, excusez-moi, pour moi, c'est introduire des distinctions et sur ces distinctions, en déduire des hiérarchies. Voilà, c'est ça. Je ne crois pas avoir entendu de propos appelant à une hiérarchie de telle race par rapport à telle autre, que ce soit sur CNews, que ce soit sur tous les autres médias qu'on peut mentionner en France. C'est bizarre, les condamnations de Zemmour vous intéressent beaucoup moins que celles des gens qui habitent dans le 93. Il a été condamné 4 fois. En l'occurrence, vous évoquez CNews. Ouais, CNews vous attaquez la chaîne. A été condamné à plusieurs milliers d'euros. En fait, il y a une difficulté sur laquelle on ne va pas être d'accord. C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui s'appelle. Couscous, quand on dit que c'est. Vous comprenez pas parce que vous n'écoutez pas les autres. Il y a quelque chose qui s'appelle le délit d'opinion. Non, mais c'est et bon, ce qu'appelle la justice. Non, mais le problème. Non, mais ça, c'est un vrai sujet. Je parle du racisme au sens de la définition. Le problème, c'est que nous avons des magistrats qui font une appréciation politique,
politique de cela. Et ça, on est dans le délit d'opinion. Non. Et en l'occurrence, Éric Zemmour, le propos auquel vous faites référence, il n'a pas fait appel. Peut-être que s'il avait fait appel, les choses auraient été différentes. En l'occurrence, il n'a pas fait appel. Sur lequel, le seul fait sur lequel il a été condamné. Ils sont tous violents. Il n'a pas été condamné là-dessus. Enfin, il n'a pas été, il n'est pas allé en appel, mais peu importe. Je ne veux pas qu'on aille sur ce sujet. La question raciste, vous dites CNews est un média raciste. Attendez, vous dites CNews, on vient sur le sujet. Vous dites par exemple CNews, je suis pas l'avocat de CNews, hein, j'y vais de temps en temps, mais vous dites CNews est un média raciste. Bon, ouais, très bien. J'aimerais bien que vous me le démontriez, vous voyez, je vais vous laisser parler, que c'est un média raciste, mais concrètement et factuellement. C'est-à-dire au sens où ça appelle explicitement à une hiérarchie entre les races et en les ciblant, nommément, entre les races noires, les races blanches, jaunes, que sais-je. Voilà. J'aimerais bien qu'on soit précis, qu'on soit factuel, enfin. Parce que c'est très facile balancer à l'emporte-pièce des termes extrêmement sans savoir le définir au préalable, de même que le terme racisme, sans l'avoir défini au préalable. Parce qu'en fait, bon, de moins en moins, ça résonne dans la société française, mais ça résonne encore aujourd'hui, parce que qui dit extrême droite dit nazi, Hitler. D'ailleurs, vous avez déjà, ça fait une demi-heure qu'on discute, vous avez mentionné Hitler sur ce plateau. CNews a donné la parole tous les soirs à une personnalité multiplement condamnée pour racisme, c'est-à-dire une personne qui fait des appels à la haine. De mémoire, je crois qu'elle a été condamnée qu'une seule fois. CNews a été condamné, Zemmour a été condamné, Dacier a été. Ça, c'est du délit d'opinion. Non, non, mais. Jean-Claude Dacier. Vous raccrochez pas à la justice. Non, mais démontrez-moi. Dacier vous réfugiez pas derrière ça. Bah, démontrez-moi. A été condamné, pareil, pour des propos qu'il a tenus par l'ARCOM. À quoi les choix éditoriaux de la chaîne En fait, c'est très simple. Quand du matin au soir, les bandeaux de CNews, c'est islam, banlieue, terrorisme, violence, délinquance. Où est la race? Où est la race là-dedans? Allez-y, expliquez-moi. Mais ce n'est pas le racisme, ce n'est pas uniquement une histoire de race. Le racisme, ce n'est pas une histoire de race. Si tu discrimines quelqu'un par rapport à sa religion, tu discrimines. C'est du racisme. Quelqu'un. Non, c'est de la discrimination. Tu discrimines. C'est pas la même chose. Non, mais d'accord, c'est pas là, tu veux qu'on utilise le terme xénophobie, mais c'est la même mieux. Chose. Il y a une discrimination. Non, discrimination religieuse. Mais c'est plus confortable pour vous d'utiliser le mot racisme parce que le mot racisme a une connotation psychologique qui est beaucoup plus forte et qui mais parle non. beaucoup plus aux gens. Bah, ce n'est pas du racisme. Alors, franchement, discriminer sur un fondement religieux, c'est une discrimination religieuse. C'est pas du racisme. S'il y a vraiment un travail qui n'est pas fait du côté des antiracistes, contrairement à CNews, qui recode justement, parce que plutôt que de dire c'est les Arabes et les Noirs que j'aime pas, ils vont dire il y a trop d'immigration, ou les musulmans ne peuvent pas. Si on dit il y a trop d'immigration, c'est raciste. Ne peuvent pas être. Si on dit il y a trop d'immigration, c'est raciste. Non mais ne peuvent pas. Je sais plus ce qu'il a dit, les musulmans et la République, je sais plus ce qu'il a dit, mais en gros, il a dit... Ne sont pas compatibles avec la République. Qui a dit ça? C'est comme Zemmour. Qui a dit ça. Mais il y a plein d'autres personnes. Dacier, je sais plus exactement ce qu'il a dit, puisque j'ai pas tous les... En fait, vous savez, il y a des gens qui tiennent des propos sur d'autres chaînes, et en fait, ça n'engage pas la chaîne. D'ailleurs, quand Dacier, c'est intéressant, vous mentionnez le cas Dacier, effectivement. C'était quoi, déjà? Je sais plus, il avait dit un propos, effectivement, qui était... Mais je crois que c'était à peu près la même chose. Mais la chaîne, vous parlez de la chaîne... Les musulmans s'en foutent de la République. Voilà, s'en foutent de la République. La chaîne, alors déjà, on parle pas de race, on parle de musulmans, on parle de religion, c'est toujours pareil, vous faites une confusion. Bon. Deuxièmement, la chaîne, et ça je m'en souviens de cet épisode, la chaîne a fait un communiqué dans l'heure qui a suivi. Je souhaitais vous dire que ces propos n'engagent que lui et en aucun cas la chaîne ni la rédaction de CNews. C'est bien la preuve. Mais parce qu'on a mis une pression de malade sur les réseaux sociaux. Que ce n'est pas la ligne de la chaîne. Voilà. Il s'en fout complètement. Mais bien sûr que c'est. Mais non, c'est pas la ligne de la chaîne. Et encore une fois, ce n'est pas du racisme non plus, puisqu'ici, on parle de religion. Donc le problème, si vous voulez, c'est que vous faites une grande confusion de tout ça. Je vais te dire un truc. Pour que ce soit plus facile et pour que ça marque plus facilement. Bien sûr que vous parlez des musulmans. Et même vous, aujourd'hui, la chaîne ne parle pas des musulmans. Parle de l'islam, justement. Pour invoquer ce droit au blasphème. Est-ce que vous feriez la même chose avec les juifs? Jamais de la vie. Jamais de la vie. On voit bien, vous ne feriez jamais les mêmes amalgames ou les mêmes caricatures envers les communautés juives qui peuvent immigrer en France. Vous le feriez. Ici, entre nous deux, personne n'a caricaturé les musulmans. Je vois pas pourquoi est-ce que je caricaturerais les juifs. Je ne connais pas tous vos propos. Moi, je parle d'un propos général. Ouais. Aujourd'hui, les musulmans sont discriminés dans les médias. Aujourd'hui, les musulmans sont les juifs d'avant. Selon vous, les médias parlent-ils trop d'immigration par rapport à d'autres sujets? Donnez-nous votre avis en commentaire. On reprend la vidéo.
Les juifs d'avant. Oui, ils sont les juifs des années 30. Vous savez ce qu'on a fait. Vous savez ce qui est arrivé aux juifs. Eh ben, c'est pas parce que c'est pas la même finalité. Exterminer. Eh ben, Zemmour a proposé de déporter. Et d'exterminer. Ce n'est pas parce que les solutions ne sont pas les mêmes et parce que c'est pas du tout ça. Il a proposé déporter. Oui. Encore il y aurait de la Sierra en Italie dans un magazine italien. Je suis pas l'avocat d'Éric Zemmour, mais il propose de renvoyer, mais pas déporter. De déporter les musulmans. Encore en plus, les juifs n'auraient jamais. Alors, cette expression. Quand tu dis que les musulmans ne sont pas compatibles avec la République, c'est quoi sa solution? Expliquez-moi. Encore une fois, on emmène. C'est quoi sa solution? On emmène sur Zemmour, et en fait, je veux pas emmener sur Zemmour parce qu'on était sur CNews. Vous étiez chez Reconquête, non? Non, j'étais pas chez Reconquête. Okay. Je suis pas adhérent d'un parti politique, donc déjà. Et on y viendra après sur les politiques. J'aimerais vraiment qu'on parle des médias dans son ensemble. Voilà. Et j'aimerais du coup terminer sur CNews juste après et après répondre à ma question, Pierre, là-dessus. C'est du coup, qu'est-ce qu'on fait aussi à l'inverse d'un média, je vais prendre cet exemple-là, mais d'un média comme Agiplus qui est financé par le Qatar et qui du coup en fait va plutôt faire l'autre opposition, on va dire, de CNews. Alors vous savez, c'est amusant parce que Agiplus, ça pose vraiment une vraie question parce que il me semble qu'on a interdit une chaîne. Ton avis sur Agiplus, c'est Camille. On a interdit une chaîne qui s'appelait Russia Today parce qu'elle faisait de la propagande étrangère. Qui s'est fait supprimer pendant la guerre. Pendant la guerre. Bien sûr, mais vous étiez pour ou contre cette suppression, par exemple. De quoi? RT. Ah, moi j'étais contre. Contre. Okay, ah oui, j'étais contre. Bien sûr, j'étais contre. Oui, je suis pour la liberté. Parce qu'on a exactement la même chaîne qui fait des appels au génocide des Palestiniens actuellement. Vous parlez de I24 News, qui n'a aucun problème, qui n'a pas été contre. Qui n'a même pas eu une convocation de la part de l'ARCOM. Je vais vous dire les choses. Qu'ils tiennent des discours. Je vais vous dire les choses de la manière la plus simple. Chez Abject. Encore une fois, vous voulez faire passer l'avocat. C'est deux poids deux mesures. Moi, j'ai pas de poids de mesure. Je sais, je connais vos. Non, mais j'ai pas de poids de mesure. Je suis pour la liberté d'expression. Palestine, je sais. Oui, je sais. Non, moi, il y a pas d'ambiguïté de mon côté. Maintenant, pour revenir sur le sujet Agiplus, qui nous intéresse, effectivement, qui est un média qui est financé directement par le Qatar, ils ont le droit d'avoir leur vision, si vous voulez. Moi, je souligne juste un deux poids deux mesures par rapport au fait qu'on interdise RT et que de l'autre côté, on laisse ces médias prospérer. Mais qui dans l'absolu, Agiplus. Non, mais Agiplus, mais dans l'absolu, ils ont pas, ça ne me dérange pas. Je le redis, attendez. Je Agiplus, ils n'ont pas de chaîne télé. De deux poids deux mesures. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas qu'ils s'expriment. Encore une fois, mais j'aimerais bien qu'on voit un peu ces médias aussi pour ce qu'ils sont. Mais je vous le dis, je reste, j'aime pas ce mot, mais relativement libéral. Ils font ce qu'ils. Dites-moi quel travail d'Agiplus vous a pas plu. Je pense qu'ils ont une vision. Bah, ça va pas me plaire, comme CNews a le droit de ne pas vous plaire. Bien donc, sûr. Si vous voulez, d'ailleurs, c'est ça la différence. C'est que moi, ça ne me plaît pas, mais je ne vais pas l'interdire. Voilà, je ne vais pas l'intérieur, je soulignais juste deux poids deux mesures. Voilà, moi ça me plaît pas, c'est comme on dit, c'est pas ma cam, ça me parle pas du tout. Je trouve même parfois qu'ils sont assez malhonnêtes dans la façon dont ils présentent les sujets. Je trouve qu'ils sont un peu gonflés d'ailleurs de parler de progressisme quand on sait qu'ils sont financés par le Qatar, qui n'est pas le pays le plus progressiste du monde, accessoirement. Rien que pour parler du cas des homosexuels au Qatar, c'est tout un sujet. Mais bon, ça à la limite, c'est leur contradiction et ça les regarde. Mais sur le principe, je suis pas pour leur interdiction, c'est tout. Voilà. Alors après, sur Agiplus, encore une fois. Ça fait partie justement de la criminalisation de facto d'un média parce qu'il est arabe et qu'il vient du Qatar. Tout ce que vous reprochez à Agiplus, on peut reprocher. C'est absolument pas ce que j'ai dit. On peut le reprocher aux États-Unis, c'est-à-dire que les États-Unis ont commis des crimes dans les guerres qu'ils ont fait. Oui, je suis d'accord. Quand on parle du Qatar, c'est-à-dire que le Qatar, on va dire oui, le Qatar finance le Hamas ou soutient le Hamas. Aujourd'hui, le Qatar. C'est la Suisse du Moyen-Orient. C'est-à-dire que au Qatar, il y a des Israéliens pro-Netanyahou qui vivent très Qatar bien au Qatar, tout comme il y a des membres du Hamas qui vivent au Qatar. Donc, vouloir présenter le Qatar comme un soutien du terrorisme, franchement, je ne pense pas. Si, c'est relativement bien documenté. Je pense pas que c'est relativement bien documenté. En Syrie, les groupements comme Al-Nusra qui. Mais Jabhat al-Nusra, ça a été financé par la France exactement de la même manière quand ils voulaient lutter contre eux. Et j'étais contre Bachar al-Assad. Bachar al-Assad. Et par le Qatar. Et c'était un mouvement terroriste. Non, mais donc, quand on fait le reproche à qui a financé Jabhat al-Nusra, par exemple, on peut dire, il faut pas oublier de dire que la France aussi a financé Jabhat al-Nusra. D'accord, mais je suis pas solidaire quand ils se sont. On n'est pas obligé d'être solidaire des bêtises de notre gouvernement, pardon, excusez-moi. Hein. Ce que je veux dire, c'est que quand on ne rappelle pas ça, on a l'impression que, c'est les méchants arabes qui financent le terrorisme. Non, les méchants français aussi, à un moment, ils ont financé le terrorisme et ils le financent encore aujourd'hui. Ouais. Moi, je me sens pas solidaire de tout ça, mais bon, de toute façon, on n'a pas des groupes, qui ont été considérés selon les années comme terroristes ou pas terroristes. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de point dans cette discussion. Bachar al-Assad, ce ne sont plus des terroristes, Jabhat al-Nusra. Je suis d'accord. Pour faire évoluer la question des médias, j'aimerais parler des réseaux sociaux où on voit, et
Twitter, enfin X, on est un bon exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. En vrai, Instagram, c'est beaucoup politisé depuis un an ou deux. J'aimerais aussi avoir votre regard sur la manière dont les réseaux sociaux, que ce soit par des médias ou des influenceurs, orchestrent parfois la division, purement et simplement, parce que ça fait le jeu des algorithmes. C'est pour ça que je dis qu'il y a une corruption des médias et il y a un racisme structurel dans une forme, chez certaines presses. Vous le démontrez toujours pas. Je vais le prouver. Valeurs Actuelles, sur lequel je crois que vous écrivez chez Valeurs Actuelles. Non. Valeurs Actuelles fait un travail de journalisme raciste. C'est-à-dire que sur les 100 derniers tweets d'un de leurs journalistes, qui s'appelle Amaury Brel... Amaury Bucco. Non, il est plus journaliste. Ah, Amaury Brel, oui, d'accord. Brel, c'est lui qui était sur CNews. Sur les 100 derniers tweets, donc c'est un spécialiste police-justice, tous les tweets qu'il met en avant, ce sont des personnes qui sont mises en cause. Les prénoms de ces personnes-là ont des consonances maghrébines. C'est-à-dire qu'il y a un travail filtrage raciste chez eux. Alors, je ne sais pas si vous vous imaginez. Est-ce que vous pouvez dans la rédaction, je termine. Aussi une question de surreprésentation de ces profils. Vous citiez les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils sont assez éloquents. Un fait sur deux à Paris sont commis par des personnes de nationalité. Il parle des crimes et délits qui sont faits dans toute la France. C'est-à-dire que le matin, quand ils reçoivent, comme tous les rédactions journalistiques, les dépêches AFP, c'est-à-dire qu'il y a un mec, pour vous dire à quel point c'est raciste, il y a un mec qui est là pour trier toutes les dépêches AFP pour dire « Bon, tu vas me garder que les gens, que les dépêches AFP qui concernent les Karim, les Adil. » Alors comment est-ce que vous faites comment est-ce que vous faites sinon pour faire que les 100 derniers tweets ne concernent que des personnes avec des prénoms, parce que les prénoms sont bien mentionnés dans tous ces tweets, qui concernent des personnes qui vont avoir des prénoms à consonance musulmane ou arabe et noir. Ben non, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a une surreprésentation de la délinquance. Non, parce que dans les prisons, 25% des détenus sont de nationalité étrangère. Mais alors, 25%, ça ne fait pas 100%. Là, je vous parle de ces 100 derniers tweets. Combien d'étrangers en France ? 8%. Et là, on parle que des étrangers, pas des personnes d'origine étrangère. 100 derniers tweets. 100 derniers tweets ne mettent en avant que des crimes et délits qui concernent des personnes qui ont des prénoms à consonance étrangère. Ça s'appelle du racisme, que vous vouliez le voir ou non. Et ça, de l'autre côté, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun bureau de presse qui fait la même chose de l'autre côté, qui fait le tri pour mettre en avant uniquement les crimes qui ont été faits par des gens qui ont des prénoms de bons français de souche. Mmh. Et croyez-moi que dans les 84%... Ça a été fait par le ministère de l'Intérieur. Et dans les 80... Non, non, mais je parle de la presse. Il n'y a pas... Dans les 84% de Français qui sont condamnés, la majorité ont des prénoms à consonance française. Il n'y a aucun autre média qui fait ça. Ce média est un média raciste. Je ne sais même pas comment il fait pour exister. Et c'est la même chose sur CNews. C'est-à-dire que dans le choix de la criminologie qui va être représentée sur les médias, on va parler uniquement d'islam, de terrorisme, de faits de délinquance qui ont lien avec l'immigration, alors que les féminicides, qui sont tout aussi graves et qui représentent, depuis 2020, c'est 300 personnes qui sont mortes d'attentats terroristes, c'est ultra grave, mais on a 1600 ou 1700 personnes qui sont mortes des mains de leur mari ou leur conjoint. On ne connaît pas les noms de ces personnes, on ne connaît pas le nom de ces femmes, on ne connaît pas l'histoire de ces femmes. Et quand on vous écoute, on a l'impression que tous les Français risquent plus de mourir demain d'un attentat terroriste plutôt que des mains de leur conjoint. Alors que c'est faux. Dans la réalité, dans les statistiques, vous avez bien plus de chances, vous, Pierre Gentillet, de tuer votre femme dans les dix prochaines années plutôt que de mourir d'un attentat terroriste que moi, je vais pouvoir organiser. Bon. Parce que c'est pareil, le lien entre islam et musulman sur les chaînes dans lesquelles vous officiez... Entre islam et terroriste ou islam et islamiste, parce que vous avez même fait de Karim Benzema un islamiste, hein, c'est quand même incroyable. Et je pense que c'est là où on tombe dans le métaverse. On peut vous répondre à un moment quand même. Oui, je termine. Ouais. Le lien est très rapidement fait. Et c'est ça en fait. Moi, j'ai aucun problème que vous nommiez des crimes, mais il faut le faire dans leur généralité. Quand vous vous concentrez uniquement sur la criminalité qui concerne des gens issus de l'immigration ou qui vont avoir des prénoms à consonance musulmane ou étrangère, ça s'appelle du racisme. Okay, c'est de la discrimination factuelle. Ok, j'ai compris. Alors, pour vous répondre, deux choses. Donc, sur la préoccupation des médias, sur le triptyque immigration, terrorisme, islam. Insécurité, en fait, on peut rajouter aussi insécurité, ça va généralement dedans, on en parle de plus en plus. D'ailleurs, pas que CNews, on notait aussi BFM, d'autres médias en parlent. Ce critique ne devrait pas exister. Ouais, voilà. Non mais d'accord, ok, très bien, je vais maintenant y répondre. Moi, je pense que sur l'insécurité, il y a un petit discours qu'on entend beaucoup, qui est de dire ça a toujours existé, et aujourd'hui les médias en parlent, parce qu'ils veulent mettre le focus là-dessus. Encore une fois, je sais que vous n'aimez pas les chiffres, mais il y avait 150
actes de violence gratuite, de coups et blessures sans motif crapuleux il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y en a plus de 1000 par jour. Par jour, 150 par jour il y a 30 ans, plus de 1000 aujourd'hui par jour. D'accord, les coups et les détenus en France. En 1982, il y en avait 30 000. Aujourd'hui, il y en a plus de 80 000. Donc quand on nous dit ça n'a pas changé, ça a toujours existé, non. Il y a des choses qui ont considérablement changé dans notre société. Bien sûr. Il y a une hausse des incivilités, etc. Donc petit 1, la question de l'insécurité est un sujet. Je pense que c'est le moins point de désaccord qu'on ait. Maintenant, sur la question du lien entre immigration et insécurité, parce que ça a été mentionné tout à l'heure et vous en parliez à l'instant. Vous pensez sincèrement que des journalistes dans un esprit malveillant se lèvent le matin en disant « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour faire monter la haine entre les Français Totalement. Et créer une guerre civile ?» Exactement. Bon, bah écoutez, je suis désolé de l'entendre parce que vraiment, je pense que vous... Vraiment, je vous et le dis... Ils sont très proches des groupuscules d'extrême droite qui sont partis à Romans-sur-Isère. Aujourd'hui, c'est les racistes qui s'organisent pour criminaliser les gens ici de l'immigration. Il n'y a pas des Noirs et des Arabes qui font la même chose de l'autre côté. Gentil, le Bondy Blog parle de tout. Ils parlent de tout, ils ne font pas le tri. Ça n'existe pas de l'autre côté, ni dans la presse, ni dans la société. Vous avez une vision... En fait, le problème, c'est que vous avez une vision manichéenne. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont intrinsèquement mauvais je le pense en pas, c'est sur le plan politique et des gens qui sont intrinsèquement bons, j'imagine peut-être. En tout cas, neutre, moins mauvais. Neutre, en tout cas, mauvais. Neutre. Voilà, neutre, c'est encore pire. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Pour ces gens-là, ça n'existe pas. Bref. Nous, on essaye. Pour ces gens-là, vous essayez, oui. Mais moi, je pense que la neutralité axiologique, ça n'existe pas. Peu importe. Je pense que ça n'existe pas, ce que vous dites. Je pense pas. En France, vous citez les journalistes de Valeurs Actuelles, vous citiez CNews, ou tout un tas d'autres JDD journalistes. JDD maintenant aussi. Pense... Oui, voilà, JDD, bien sûr. Je pense qu'en fait, c'est simplement que vous ne voulez pas voir, je sais qu'on ne sera pas d'accord, qu'en fait, il y a des faits, et il y a une certaine insécurité, et il y a une certaine immigration qui est liée. Cet été, c'était en 2022, pardon, pour la première fois, à ma connaissance, le ministère de l'Intérieur a communiqué les chiffres de la délinquance et la part non pas des personnes d'origine étrangère, mais de nationalité étrangère, dans la délinquance à Paris. Je le redis parce que c'est spectaculaire. À Marseille, c'est plus d'un étranger. Je crois que c'est 55%. 55% des faits de délinquance à Marseille qui sont commis par des personnes de nationalité étrangère. Oui, et comme par hasard, ça va changer complètement. C'est et puis de l'autre côté, à Paris, vous avez 50%, 49% d'ailleurs, des faits de délinquance commis à Paris. Vous avez 25% des détenus en France qui sont de nationalité, uniquement de nationalité étrangère. Donc en fait, après la question de pourquoi est-ce que ça arrive, pourquoi est-ce que c'est... Ça, c'est un deuxième sujet. Mais déjà, sur le premier sujet, factuellement, il y a un lien entre immigration et délinquance. Après, les conséquences qu'on en tire, les leçons qu'on veut en tirer, ça, c'est autre chose. Il y en a qui vont dire, c'est parce que biologiquement, c'est ça, parce que... Et là, ils vont entrer sur une analyse raciste. Mais excusez-moi de vous dire, mais il y a plein de gens qui ne pensent pas comme ça. Il y a plein de gens qui pensent que c'est des raisons qui sont des raisons culturelles, qu'il y a des gens qui viennent en France et qui ne respectent pas notre pays. Et qu'en fait, si vous voulez, la difficulté... du moment en fait qu'on traverse aujourd'hui, c'est que il y a une certaine cécité, je pense, par rapport à cette question de l'immigration et de l'insécurité, parce que moi j'essaie de vous comprendre, vraiment j'essaie sincèrement de me mettre à votre place, vraiment croyez-le, mais je peux pas imaginer que vous disiez, c'est presque, pardon, j'aime pas ce terme, mais c'est presque une vision complotiste de dire qu'il y a des journalistes qui se lèvent le matin en disant comment est-ce que je vais faire pour créer une guerre civile. C'est factuel. Moi je pense qu'à un moment, si vous voulez, mais non, je pense que ce qui est factuel, c'est le lien entre immigration et délinquance. Mais vous n'êtes pas honnête, Pierre. Prenez votre téléphone, regardez les 100 derniers tweets d'Amaury Brelet, de je sais plus comment il s'appelle, et allez sur un autre journaliste police justice de l'AFP, vous allez voir qu'il y a plein admettons de Français. Admettons que ce soit 80. Est-ce que vous admettez que ça peut être un fait société. Non. Voilà. C'est pas un fait de société. Mais non, à partir du moment où vous avez une surreprésentation des étrangers dans la délinquance, vous êtes des c'est logique et vous qu'on se pose la question la guerre civile, migratoire. La guerre civile, si elle arrive, c'est à cause de personnes comme vous et à cause de ce genre de médias. Au contraire. Personne en face s'organise pour utiliser les mêmes méthodes, les mêmes mécanismes. C'est nous qui sommes le toxin. C'est pas nous qui manions la mitrailleuse. Non. J'aimerais. Non, ça n'existe pas. C'est pas possible. J'aimerais qu'on évolue sur les médias et j'aimerais vous poser la question inverse, parce qu'on a parlé des médias qui divisent. J'aimerais savoir, évidemment, au-delà du crayon, s'il y a d'autres médias que nous, mais oui, qui réunissons. Je serai à la rentrée sur une nouvelle radio qui s'appelle Jam, qui a été rachetée par Yacine Bellatar, et notre le nom qu'on a donné à cette radio, ce sera le Grand Rapprochement. À l'inverse de ce que l'extrême droite veut faire, c'est-à-dire cette théorie de grand remplacement. Appelez-le créolisation, nous, on a envie, mais en fait, si vous voulez, il n'y a aucune volonté
chez les personnes issues de l'immigration ou de banlieue de se communautariser ou d'essayer de porter cette guerre civile. Cette guerre civile n'existe pas. C'est subi. Et je l'ai dit, il y a uniquement ce genre de médias-là qui, à force de dire islam, délinquance, banlieue, immigration, ou ce genre d'organe de presse qui va justement les gens parlent pas naturellement, le listing, en fait. Faire un listing de toutes les personnes qui en France commettent des crimes ou des délits et qui sont d'origine étrangère, c'est normal qu'au bout d'un moment, eh ben, les gens vous croient et aient l'impression tous les crimes et délits qui sont faits en France sont du fait de personnes qui ont des prénoms avec des consonances étrangères. Mais dans la réalité, c'est faux. Est-ce qu'on peut revenir sur les deux minutes sur les médias un peu qui rassemblent pour après ouvrir justement un autre chapitre dans le débat, le dernier chapitre du débat? Est-ce qu'on peut revenir, peut-être citer quelques noms de médias où vous trouvez que ce sont des médias qui, au contraire, cherchent la réunion et s'opposent un peu à la division et sont peut-être des médias avec moins de biais ou de lignes politiques? Je pense que malheureusement aujourd'hui, en fait, le débat politique est tellement clivant qu'il n'y en a plus. Je pense que ce sont les médias qui ne parlent pas de politique. Et encore, France Culture techniquement ne parle pas de politique, voyez-vous, c'est censé parler de culture, mais en réalité, le biais politique est permanent. Il y a quelques radios, quelques médias, c'est souvent des médias en ligne. Malheureusement, j'ai pas de nom en particulier. Je dois dire que c'est vrai que le crayon, moi, quand je veux me faire un avis sur un sujet, je regarde le crayon, c'est vrai que c'est assez apaisant. Voilà, bon, ça, c'est pour vous. J'ai rien à gagner à dire ça. Mais aujourd'hui, c'est... En fait, la situation, elle est de plus en plus tendue en France. C'est aussi pour ça, en fait, que vous avez des médias qui peuvent parfois vous choquer dans certaines opinions. Vous avez mentionné CNews, il y en a d'autres, et que les débats politiques se tendent. Prenons C8, par exemple. C8, c'est un exemple assez intéressant. C8, l'émission de Cyril Hanouna, c'était une émission qui était une émission essentiellement de divertissement, qui faisait un tout petit peu de politique, vraiment un tout petit peu de politique. Et en fait, progressivement, ils ont inclus le volet politique. Et le volet politique, il est de plus en plus clivant. Et il a fait des émissions de plus en plus clivantes. Et d'ailleurs, on peut lui rendre hommage parce que je trouve que les seuls débats politiques qui ont été organisés pendant l'élection présidentielle, c'est Cyril Hanouna qui les a organisés sur C8. Les seuls débats authentiques, vraiment des débats authentiques, c'est lui qui les a organisés. Mais vous voyez, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, mais tous les médias, d'un côté comme de l'autre, sont clivants parce qu'ils sont à l'image de la société qui est hyper clivante. C'est-à-dire, vous parliez, est-ce qu'on peut s'entendre aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se réunir? Justement, les médias, c'est un peu le miroir de cette fragmentation. Donc ça me paraît... Est-ce qu'il y a des médias que tu citais Jam tout à l'heure, est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Je pense qu'il n'y en a pas. De toute façon, ça n'intéresserait pas, justement. Parce, pourquoi est-ce que TPMP s'est mis à organiser ce genre de débat clivant? Parce qu'au bout d'un moment, discuter l'amour est dans le pré du mec qui est tombé à poil dans un jacuzzi, enfin, ça n'intéresse plus les gens. Donc il y a aussi les médias qui se transforment et qui créent ce genre de contradictions parce que ça intéresse aussi le public. Et pour parler d'Hanouna, Hanouna, ce qui lui est reproché, il y a eu un appel au boycott d'Hanouna, ce qui est reproché à Hanouna, ce n'est pas son émission, c'est le changement de ton qu'a pris l'émission. Par exemple, il y a un journaliste sur les réseaux sociaux, pour répondre à cette surmédiatisation des gens d'extrême droite pendant Crépol, mais aussi avant, il a fait le listing de tous les invités qui sont... Corel, je crois. Cory Le Guen. Ouais, Cory Le Guen, pardon. Ouais. Il a fait le listing de tous les invités. J'étais dedans, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, on peut se rendre compte quand même que sur les 30 dernières invités politiques, il n'y avait que des gens de droite et d'extrême droite. Ça serait marrant de faire la même liste pour les invités de France Inter. Ça serait drôle. Pour les chroniqueurs de France Inter. Moi, je veux bien. On fait les chroniqueurs de France Inter. Non, on ne parle pas de chroniqueurs. Ah, si, on ne parle pas de chroniqueurs. On parle d'invités politiques. Mais les invités, ils sont régis par le CSA. Ils sont régis par le CSA parce que c'est le service public. C'est quand même pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est une journaliste de gauche. C'est une meuf d'extrême droite. Qui parle de grand remplacement, etc. Pardon, on va parler correctement. C'est une dame d'extrême droite. Elle est d'extrême droite, Léa Salamé. Quand vous recevez, elle est pas d'extrême droite. Bon, alors, elle est d'où? Mais vous présentez France Inter. J'ai pas dit qu'elle était extrême. France Inter est de gauche. Ah bah si France Inter était de gauche, ils auraient pas mis au pilori pour la vanne qu'a fait Guillaume Meurice. Parce que ça a scandalisé la France entière. Est-ce qu'il a été révoqué? Est-ce qu'il a été révoqué Guillaume Meurice? Non, il a pas été révoqué. D'accord, mais il a quand même subi une mise à pied. Mohamed Kassi, qui est sur TV5 Monde, pareil, que vous avez présenté comme un média de gauche. Mohamed Kassi, il a juste dit au revoir un petit peu précipitamment au porte-parole. Ça ne vous aura pas échappé que France Inter, c'est le service public. Et que C8, c'est une chaîne privée. Que CNews, c'est une chaîne privée. Au porte-parole de l'armée, si je peux juste terminer là. Ah oui, non, mais vous faites que parler, on peut vous répondre. Porte-parole de l'armée israélienne, il a été pareil, mis de côté. Donc non, Léa Salamé, quand elle
reçoit Marine Le Pen. Déjà d'une, elle est nulle en journalisme, pour commencer, et en plus de ça, elle est tout sauf de gauche. Je suis désolé, moi, quand si je reçois demain Marine Le Pen, je vais essayer de mettre en avant les axes... Les centre-gauche, les plus, pas de droite, ça c'est les clair. Plus, les qui vont être les plus discriminants ou les plus dangereux pour la société. Mmh. Est-ce qu'une fois Marine Le Pen a été invitée et est-ce qu'on a mis en avant le fait qu'elle veuille donner un statut privilégié aux Français qui seraient uninationales? C'est quoi les solutions concrètes? Très concrètes, si vous pouvez en lister une ou deux chacun, ce serait très bien. Une solution très concrète, et j'insiste sur le but, pour que les Français vivent plus ensemble. Regarder lucidement le pays, prendre les mesures qui s'imposent, et je le redis, je pense, un, si on veut définir le « on », il faut qu'on retrouve ce qu'est le « on », c'est-à-dire qu'est-ce que c'est être français, qu'est-ce que c'est le peuple français, qu'est-ce que c'est l'identité française, reprendre la maîtrise de nos flux migratoires, reprendre la maîtrise de nos frontières, et puis effectivement essayer de, je pense, de parce que c'est pas seulement qu'une histoire migratoire, c'est aussi parce que les Français ont oublié qui ils étaient, je pense, et dans la post-ménanité, dans le monde qu'on traverse, et encore plus dans un monde qui est de plus en plus urbain, alors on peut s'en réjouir ou pas, moi je suis pas tout à fait de ce monde-là, mais peu importe, essayer de comprendre ce que ce sont les identités concrètes, ce que c'est appartenir à une région de France, à son patrimoine, à sa culture, à sa tradition, et que ça sort pas ex nihilo, et que c'est une force et c'est une richesse formidable, en fait. Donc il y a des solutions politiques, et puis aussi je pense que vraiment il y a un travail d'éducation, il y a un travail de transmission, et ce travail-là, en fait, il est plus fait, à la fois pour des raisons politiques, et aussi, je le dis, parce que la société libérale dans laquelle nous sommes, en fait, plus libérale finalement que capitalisme, et c'est beaucoup plus le libéralisme que je combats que le capitalisme, fait que aujourd'hui en fait les individus sont un peu interchangeables, et on voudrait avoir un monde, une espèce de mondialisation où au fond tout est pareil, on vit dans une espèce de village global, vous savez, c'est McLuhan qui avait théorisé ça. Donc je pense que sur un plan pratique, c'est la question politique qui s'impose. Puis après, sur la question philosophique, comme vous le dites, je pense que c'est retrouver nos racines et retrouver en fait qui nous sommes, tout simplement. Mais on y arrivera. Bah alors, pour créer justement une culture française, il faut il faut introduire dans cette culture toute l'histoire de la France et accepter qu'il y ait des gens qui portent mon prénom ou d'autres et qui n'aient pas envie de mettre des cravates ou des bérets et qui se sentent totalement français. Il n'y a pas plus patriote que nous. En fait, les gens qui ont grandi dans des quartiers, je te mets au défi d'aller mal parler d'un quartier, d'un mec qui a grandi, d'aller insulter un gars qui est attaché à son quartier, à son 93 ou à son 92. Il n'y a pas plus patriote que nous. C'est juste que la forme de patriotisme que ces personnes-là veulent introduire dans la tête des Français ne leur correspond pas. Si être français, encore une fois, on en avait parlé la dernière fois, mais faudrait le prédéfinir, ça correspond à quoi? C'est à quel patriotisme commun tu créerais, toi, justement? Un patriotisme qui ne demande pas justement toujours à des gens de s'assimiler ou de s'intégrer, qui aille chercher dans la diversité ce qu'il y a de mieux, qui arrête de criminaliser et de montrer toujours les mêmes pour expliquer que, en fait, voilà, si notre société, elle va mal, si on n'est pas en cohésion, c'est uniquement la faute de ces gens-là. En fait, s'il n'y a pas une main qui est tendue envers ces communautés ou ces populations, il n'y a jamais rien qui se fera. Je vais te donner un exemple très simple. Quand tu as des quartiers, des gens de quartiers qui n'ont même pas de transport public pour aller dans le centre-ville et qui, en plus de ça, sont tous entassés, c'est-à-dire toutes ces personnes-là issues de diversité, ils sont entassés dans le même endroit. Comment est-ce que tu veux créer une cohésion sociale ou une culture commune avec ces gens qui vivent en banlieue, qui sont discriminés de multiples manières, et avec des gens qui vivent en ville? C'est-à-dire que si le système ne change pas et si le système ne fait pas participer ces gens-là à une culture française, alors oui, dans ces cas-là, dans la culture, il y aura des Frances qui seront totalement différentes. Mais vraiment, si on parle de patriotisme, de territoire, comme on le connaissait avant, comme certains Bretons sont attachés à leur Bretagne, comme d'autres Parisiens sont attachés à leur vie parisienne, eh ben, je te promets que ce patriotisme-là, il n'y a pas plus fier qu'une personne de banlieue de son quartier. Et vraiment, c'est un truc dont on ne parle jamais et on ne va jamais voir cette forme d'attachement à la zone dans laquelle on vit. On va toujours criminaliser ces banlieues alors qu'il y a un système qui est organisé pour le faire. Et je voulais juste terminer en disant une chose.
pour... C'était quoi la question déjà pour... C'était comment on peut faire réussir à faire réunir les Français. Pour faire réunir, pour justement, il faut arrêter de montrer du doigt toujours les mêmes personnes, la même criminalité, et mettre dans la tête des Français que ce sont les gens issus de l'immigration qui foutent le bordel en France. Parce que ce qui va se passer, c'est que si en 2027, Marine Le Pen est élue, on se rendra compte qu'en fait, toutes ces théories sont éclatées au sol. La délinquance va continuer, l'immigration... On ne peut pas empêcher des gens qui savent qu'ils vont mourir sur la route. Ils savent très bien ce qu'il va se passer en France quand ils vont arriver, s'ils arrivent, de quitter leur pays pour accéder à une meilleure vie. C'est impossible. Vous pouvez monter tous les murs que vous voulez. Ces gens continueront à venir vers la France. Donc, on verra que toutes ces politiques racistes qui rassurent certaines personnes sur le terrain ne seront pas du tout efficaces. Et ce qu'il faut, c'est revenir à la réalité. C'est-à-dire que parler de choses qui sont réelles, arrêter de vouloir peindre une France qui n'existe pas et se rattacher aux faits. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de valeurs actuelles, il dit que c'est faux. Je mets au défi tout le monde d'aller regarder les articles de valeurs actuelles. Vous allez voir qu'ils concernent uniquement les personnes qui ont des prénoms à consonance étrangère. Et aller sur les On a un influenceur, enfin, il s'appelle comme ça, Damien Rieu, il passe ses journées à parler que d'islam et de musulmans. Donc ça, je ne sais même pas comment il fait pour exister sur les réseaux sociaux. C'est factuellement raciste. Mais pour Pierre Gentillet, ces gens-là n'existent pas. Donc le jour où il reviendra sur Terre, peut-être qu'on pourra échanger et retrouver des solutions ensemble. Mais tant qu'il sera dans une théorie complotiste raciste, c'est sûr qu'on n'arrivera pas à s'accorder sur des solutions parce que déjà, sur la réalité, il en peint une qui n'existe pas. Je pense que nous sommes d'accord sur le fait que nous sommes frontalement en désaccord. Voilà, je ne vois pas trop quoi dire de plus. Je pense qu'on a bien vu les lignes de fracture. Je ne veux pas refaire le débat encore une fois, mais je pense qu'il y a des moments où j'avais rien à dire, parce que je pense que les gens verront et les gens jugeront. Parfois, votre contradicteur fait plus pour vous que vous-même. Donc voilà, j'avais rien à dire de plus. Mais voilà, on est en désaccord et on a pu discuter. C'est déjà un point. Cet échange était très hypocrite. Dans la mesure où la réalité n'est pas reconnue par la personne avec qui je débat, donc c'est très difficile d'avancer. C'est-à-dire que si je lui dis que j'ai un pull gris, vu que c'est moi qui le porte, s'il a décidé qu'il est noir, et ben il sera noir. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas réellement avancer dans un débat serein ou essayer de trouver des solutions ensemble, parce que déjà on ne fait pas les mêmes constats et on n'a pas les mêmes réalités. Eux veulent raconter une réalité qui les arrange pour justement créer ces deux France, créer ces deux camps. Mais comme je l'ai dit, le camp en face de ces personnes-là n'existe pas. Peut-être qu'il y a eu un point d'accord. Il y en a peut-être eu un. Je m'en souviens plus parce qu'il faut dire que les points de désaccord étaient tellement, tellement nombreux. Je dirais que le seul point d'accord, peut-être, en fait, il est antérieur au débat, c'est qu'on était d'accord. Je ne sais pas si on le sera toujours. Enfin, moi, je le suis toujours. Mais d'accord pour débattre. Voilà. Si vous voulez un point positif. On est d'accord tous les deux que les enjeux sécuritaires sont importants. Tout le monde a envie de vivre en sécurité. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu, c'est vrai qu'il y a des pays où la sécurité est exceptionnelle. Par contre, cette sécurité-là, elle a un prix. Elle va forcément discriminer certaines personnes. Donc c'est difficile, c'est vrai qu'avec des valeurs droits de l'homiste, c'est difficile d'être... dans une certaine sécurité sociale. J'espère que cette émission vous a plu et qu'elle vous a permis de faire réfléchir avec deux avis opposés sur cette question de l'immigration et de sa gestion dans les médias. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast si vous n'avez pas envie d'avoir la vidéo devant les yeux, mais plutôt dans les oreilles, en marchant, en cuisinant ou en prenant les transports. Encore merci infiniment pour votre soutien. C'est grâce à vous qu'on avance aussi vite avec ce message de débat et de réunion. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres émissions. C'était Valorant.